Bonsoir à vous, bonsoir à vous, très chers frères et sœurs qui nous regardez en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2023, par la grâce du Seigneur, nous vous bénissons. Et nous sommes heureux de pouvoir échanger, partager la parole avec nos frères et nos sœurs, toutes les personnes qui nous regardent et qui sont câblées sur Réveil TV au quotidien et aussi passagèrement. Voilà, nous vous bénissons et nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous et merci pour les encouragements, pour les messages que nous recevons pour nous encourager. Merci pour ces personnes-là qui prient pour nous. Nous avons vraiment besoin de vos prières, de votre soutien, parce que faire l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est une charge lourde et difficile. Et comme Paul pouvait le dire, priez pour nous afin qu'il nous soit donné d'annoncer l'évangile de Dieu avec hardiesse. Nous vous prions, frères et sœurs, priez pour nous afin que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir. Œuvrer vraiment pour lui avec toute la force, toute la détermination et tout le zen qu'il voudrait qu'on puisse avoir pour son œuvre. Donc, sans plus tarder, on va prier et puis on va commencer le temps de partage, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, sur la doctrine de Balaam. Père, nous te bénissons au nom de Yoshua parce que tu es digne, parce que tu es grand. Seigneur, ces moments sont entre tes mains. C'est toi qui connais toutes choses. Par ton Esprit Saint, conduis ces moments, enseigne-nous. Donne-nous ta parole afin que nous soyons davantage interpellés au nom de Jésus, car tu es digne. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors ce soir, euh, j'ai à cœur de parler d'une de, fausse doctrine. Je dis qu'on va faire une série d'enseignements sur les fausses doctrines. Nous avons parlé la semaine dernière de l'origine, enfin de c'est quoi une fausse doctrine l'origine des fausses doctrines, les conséquences des fausses doctrines dans la vie des personnes, et nous avions compris à la lumière des écritures qu'une fausse doctrine faisait engendrer ouvrait la voie à la perte du salut. d'accord parce que nous avons compris que lorsque quelqu'un écoutait une fausse doctrine, il mettait son salut en danger et qu'on avait compris que les fausses doctrines étaient inspirées par les démons. voilà donc euh donc là, aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam nous renvoie simplement à la doctrine de la prospérité. Donc vous avez le titre qui s'affiche à votre écran, Les fausses doctrines, la doctrine de Balaam. Donc pour commencer notre partage, nous allons commencer avec le livre d'Apocalypse au chapitre 2 à partir du verset 12. Apocalypse au chapitre 2 à partir du verset 12. Et nous allons lire en descendant. L Apocalypse chapitre 12, 2 à partir du verset 12, merci. Écrit à l'ange de Pergame. De Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, voilà la doctrine de Balaam. La doctrine de Nicolaït, on la verra une autre fois. On reste d'abord sur la doctrine de Balaam. Merci, les frères. Donc, relisons le texte, frères et sœurs. Vous allez vous rendre compte de ce que la doctrine de Balaam peut engendrer dans la vie des gens. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des choses que vous avez au quotidien sous vos yeux. Ces gens ici qui reçoit la vision dans l'Apocalypse et Jésus lui demande d'écrire aux anges des sept églises. Et l'une des églises à laquelle il devait écrire... Et à qui s'adresse cette lettre C'est l'église de Pergame. Et il dit au verset 13, comme on l'a lu, hein, il dit que je sais où tu demeures, je sais que là se trouve, là est le trône de Satan, que tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Donc vous avez des gens qui sont dans les assemblées, qui n'ont pas régné la foi en Christ, mais parmi eux, au milieu d'eux, et on va le voir plus loin. On nous fait comprendre qu' il, même au jour d'Antipas, le témoin fidèle de Jésus qui a été mis à mort chez eux, c'est-à-dire pendant la persécution, et il rappelle encore que là où Satan a sa demeure. Vous voyez, vraiment, la Bible insiste pour dire que dans cette église là, il y avait le trône de Satan dans la ville, pas dans l'église, mais dans la ville, et que dans cette ville là où l'église des Pérgame était, il y avait des chrétiens qui étaient là qui gardaient la foi. Mais dans leur combat Satan va s'immiscer au milieu d'eux et on le voit au verset 14 la bible nous dit verset 14 mais je sais mais j'ai quelque chose contre toi contre toi église de pergame c'est que tu y as là des gens là des gens dans l'église de pergame attachés à la doctrine de Balaam donc dans l'église il y avait des gens il y avait deux doctrines il y avait la doctrine de Christ qui était prêchée et il y avait des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam et qu'est-ce que Balaam a enseigné On va voir ce que Balaam a enseigné. On nous dit que Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre qui fait tomber devant les fils d'Israël. Pourquoi Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui était un péché à l'époque, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc la doctrine de Balaam entraîne les gens à l'idolâtrie et à l'impudicité. Or, on va voir bibliquement ce que peut symboliser l'idolâtrie biblique. Pour mieux comprendre qui est Balaam, nous allons remonter dans les Écritures, dans Nombre au chapitre 21. Nombre chapitre 21 va nous relater, Nombre chapitre 21-22 va nous relater l'histoire de Balaam. Alors, on va, on va prendre directement au chapitre 22, pardon. Nombre au chapitre 22 directement à partir du verset 1 Nombre chapitre 22, à partir du premier verset. Les enfants d'Israël apprirent, partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face du peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verture des champs. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Verset 5 Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis -vis de moi. Il s'agit du peuple d'Israël. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le dévin. Le dévin, quand vous lisez un roi, un Samuel, pardon, un roi, un Samuel chapitre, chapitre 15, je crois, on nous dit que celui qu'on appelait avant le dévin, celui qu'on appelle maintenant le prophète s'appelait avant le dévin. Donc quand on parle de dévin, dans le cas de, de Balaam, là, il s'agit d'un prophète. Ils arrivèrent auprès du, de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. La suite, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, après que l'Éternel me dira. Donc vous voyez que ce n'était pas un voyant, un divin qui allait consulter les esprits impurs. C'était un prophète de Yahweh, quelqu'un à qui Dieu parlait. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. On lit la suite. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi Donc ce monsieur, Balaam, était un prophète de Dieu. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, viens, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc. « Maudit le peut-être, ainsi pourrais-je le combattre et le chasserais-je. » La suite. « Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Alors je vais lire chez moi, comme ça on pourra aller rapidement, les frères et sœurs nous suivons. Parce que ça prend un peu du temps la transition. Alors je vais lire sur mon téléphone. Alors on est au verset 13. Alors on est au verset 13. « Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent Ainsi parle Balak, fils de Tipor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie. Maudit ce peuple. Balam répondit et dit aux serviteurs de Balak. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose ni petite ni grande contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vient à Balam pendant la nuit et lui dit. Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, céda son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Vous lirez la suite de l'histoire, je vais la résumer pour qu'on avance sur les points essentiels. Voilà un homme, prophète de Dieu. Un roi étranger. Parce qu'il faut comprendre que dans l'histoire que nous lisons, il s'agit d'une guerre de divinité. C'est-à-dire, vous avez d'un côté Yahweh, le Dieu des Juifs, Jésus-Christ, qui n'était pas révélé à cette époque, qui avait donné à son peuple le droit de conquérir le pays de Canaan. Donc toutes les terres des Philistins, des Moabites, des Cananéens, des Éphésiens, des Phérésiens, toutes ces terres-là devaient devenir la propriété. Des enfants d'Israël et le peuple d'Israël, en fait, à l'origine, ne devait même pas s'attaquer au peuple de Moab, il devait simplement passer. Et Moab euh, est venu finalement à refuser de les laisser passer. Et donc, au finish, il va avoir une guerre de divinité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Balak, qui était roi de Moab, va demander à ce prophète-là de Dieu de venir de maudire le peuple. Et il va consulter Dieu qui va lui dire Tu n'iras pas maudire ce peuple parce que ce peuple m'appartient, parce que ce peuple est béni. Et le roi va renvoyer des, 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 des chefs plus considérés et qui vont lui dire Viens, on va te faire du bien. Regardez, quelqu'un à qui Dieu a dit Tu ne feras pas une chose. Il va quand même encore chercher à consulter Dieu alors que Dieu lui a déjà dit de ne pas partir. Il va le faire. Et Dieu va lui dire Pars. Et sur le chemin, alors qu'il partait, l'ange de l'Éternel va lui résister pour qu'il ne parte pas. Et l'ange de l'Éternel était même prêt à tuer Balaam. Et finalement. Le Seigneur va lui dire, va, mais tu ne feras que ce que je te dirai de faire. Et Balaam va partir, et Dieu va lui interdire de maudire le peuple. Mais qu'est-ce que Balaam va faire On va le voir plus loin. On va le voir plus loin. Vous allez voir ce que Balaam va faire, ce qui va se passer. Vous allez comprendre pourquoi Balaam va être tué. On, on est dans le nombre au chapitre... Alors, je vais le retrouver. On, va, on est dans le nombre euh, au chapitre 21. Alors, on, est, on va lire Josué. Euh, euh, alors, excusez-moi, je vais retrouver le passage. Josué, chapitre 13. On va lire chapitre 13. On va lire à partir, de, à, partir du verset, à partir du verset 16 pour mieux comprendre le sens. Josué chapitre 13 à partir du verset 16. Alors, est-ce que c'est bon? OK. Ils eurent pour territoire à partir d'Aroer sur les bords du torrent, d'Aron, d'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée. Toute la plaine près de Madeba. Verset 17. Esbon et toutes ses villes dans la plaine, Dibon, Bamot, Baal, Beth, Baal, meon Kedemoph, Mefat, Sibman, Sibma, Terech, Ashkarchar, sur la montagne de la vallée, Beth Péor, Couteau de Pisga, Beth jé Shimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens qui régnait à Esbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian. Évi, Rekem, Ur, Reba, princes qui relèvaient de Sion et qui habitait dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le divin, le divin Balaam, fils de péor. Donc vous voyez que Balaam va être tué par les enfants d'Israël dans Josué chapitre 13. Vous voyez euh, pourquoi parce que Balaam avait donné le conseil quand vous lisez euh, au chapitre 24 au chapitre 25 pardon vous allez voir que les enfants d'Israël on va le lire disons le on va lire euh, on est dans nombre 25 nombre 25 à partir du premier verset Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attachait à Balpéor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse Ensemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël Que chacun de vous tue. « Ceux des gens qui se sont attachés à Balpéor, et voici un homme des enfants d'Israël, vint et amena vers ses frères une madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À, à cette vue, Phinée, fils, fils de fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. » Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il, le perça, il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Le péché sexuel dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12, c'est ce qui s'était passé là. Et ce conseil de péché avait été donné par Balaam, c'est lui qui avait conseillé. Balak de pouvoir dire aux enfants d'Israël, de dire que si tu veux que la plaie passe en Israël, il faut que les enfants d'Israël tombent dans le péché sexuel et Dieu lui-même se chargera de les punir. Vous voyez C'est pourquoi, pourquoi Balaam a été tué parce qu'il avait euh, 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 donné le conseil là. Alors on peut le lire encore dans Néhémie. Vous voyez Néhémie chapitre 13, à partir du verset 2. On va lire à partir du premier verset pour mieux, mieux comprendre. Dans ces temps-là, on lut à présence du peuple dans, les livres de Moïse, dans le livre de Moïse, et l'on y trouvait écrit que l'ammonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent. Pour qu'il les maudit, mais notre Dieu changea la bénédiction en bénédiction. Donc, Balaam était venu à prix d'argent. On l'avait payé pour pouvoir faire ce qu'il avait décidé de faire. Vous voyez Et donc, on comprend que la doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui est liée à l'argent. Ce sont des gens qui ont reçu un don, l'appel du Seigneur, et qui vendent les dons. Qu'ils ont reçu de la part de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Balaam. Donc, quand le Seigneur dit qu'il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, c'est parce qu'il y a des prédicateurs, il y avait des prédicateurs, peut-être des anciens, des frères, dans l'assemblée de Pergame, qui vendaient les dons, qui faisaient des prophéties à base d'argent, qui priaient pour les gens sur la base de l'argent, qui donnaient aux gens des fausses prophéties sur la base de l'argent, et ces prophéties-là ne s'arrêtaient pas là. C'est-à-dire, une fausse prophétie n'a pas simplement pour vocation de vous prendre de l'argent. Elle a pour vocation que vous vous attachiez à la prophétie. Regardez, si aujourd'hui un prédicateur vient dire à une sœur, j'ai reçu que ce monsieur-là, c'est ton mari, le prédicateur dit à la femme, Dieu m'a dit que cette femme, c'est ta femme. il ne s'aiment pas. Dieu ne leur a rien dit. Ils se marient. Qu'est-ce qui va se passer il y a de fortes chances que ce couple divorce. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on va dans les tribunaux, il y a un nombre élevé de divorces chrétiens, de gens qui se disent chrétiens. Pourquoi Parce que ce sont des connexions humaines qui ont été établies par les hommes qui ne viennent pas du ciel. On ne dit pas que quand Dieu a établi un mariage, qu'il ne peut pas avoir un divorce. Non, parce que au delà de tout ce que Dieu peut dire, il y a aussi l'aspect humain. C'est-à-dire que l'homme qui refuse de se soumettre au commandement de Dieu arriver à ce genre de choses. On a l'histoire d'Adam et Ève, Dieu les a mis ensemble, mais quand même, ça ne les a pas empêchés de tomber dans le péché. On est d'accord. Mais là où Dieu a mis sa main, on ne peut pas se retrouver avec un taux de divorce aussi élevé. Ce n'est pas possible. Parce que la main de l'homme, la main de l'ennemi est passée par là. Vous voyez, vous avez aujourd'hui tellement de dégâts, des gens qui ne veulent plus aller dans les églises parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été dessus, parce qu'on les a escroqués, on les a menti, avec des fausses prophéties. C'est ça les conséquences des doctrines de Balaam. Ces fausses doctrines qui entraînent les gens et qui causent des conséquences bizarres. Quand on revient sur Apocalypse chapitre 2, verset 12, les frères. Verset 14, pardon, là on était. Au verset 14. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Vous voyez On nous rappelle ceci que. Non seulement les gens sont tombés par la pierre d'achoppement, on nous dit qu'ils se sont livrés à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Pourquoi Parce qu'ils ont commencé à offrir un culte aux idoles. C'est ce qu'on a vu dans Nombre 25. Ils ont commencé à servir Baal-Peor, Balpeor. c'était une divinité païenne qui était la divinité des Moabites. Donc quand vous êtes vous, vous attachez à des prédicateurs qui eux-mêmes sont attachés à la doctrine de Balaam, en fait... Au travers de tout ce qu'il vous donne, vous vous attachez à la divinité qu'ils servent. Oh, il vous amène là-dedans en vous prêchant un évangile, qui est un évangile calqué sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, ouvre la Bible, il vous enseigne sur la base de la Bible, mais derrière l'esprit qui travaille, c'est l'esprit de Balpéor, c'est l'esprit païen, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de Satan, c'est l'esprit de Mamon. On nous dit aussi qu'en dehors de se livrer aux idoles, ils se sont aussi livrés à l'impudicité. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vous avez beaucoup de gens qui sont dans impudiques, des anciens impudiques, des chants impudiques. Et vous allez vous rendre compte que c'est généralement dans les églises où on prêche la prospérité, où on prêche le combat spirituel, ces gens-là sont attachés à l'impudicité. Vous voyez, pourquoi Parce que c'est sur la base des enseignements qu'on leur donne. Quand on enseigne dans une église, qu'on ne perd pas le salut. Mais vous voulez que les gens se sanctifient comment Si moi on m'enseigne et que je crois en ça, que peu importe la vie que je peux mener, je ne perds pas le salut, l'amour que j'ai pour le Seigneur, dès lors que j'ai accepté cette doctrine dans mon cœur, je vais dire que j'aime Jésus, mais je peux aller chez les prostituées. Quelqu'un va dire qu'il aime Jésus, mais il peut euh, escroquer. Quelqu'un va dire qu'il aime Jésus. Mais il, 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 il va avoir la haine dans son cœur. Quelqu'un va dire qu'il aime Jésus. Ouais, chacun va se permettre de faire ce qui est bien dans son cœur. Pourquoi Parce qu'on va lui dire qu'on ne perd pas le salut. Ouais, c'est ça les conséquences des fausses doctrines aujourd'hui. Donc, quand on parle de la doctrine de Balaam, c'est une doctrine liée à l'argent. Et cette doctrine liée à l'argent entraîne les gens dans l'idolâtrie et dans l'impudicité. Regardez, on va lire 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. La Bible nous parle justement de l'idolâtrie. Parce que quand on parle de l'idolâtrie, ce n'est pas seulement euh, l'idolâtrie par rapport à. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. On va lire. Euh, à partir du verset. Euh, dans ces trois, Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les mauvaises, les calomnies, des mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus. Donc vous voyez qu'en dehors de ces choses qu'on a vues là, qu'on a citées, les fausses doctrines amènent aussi ça. Ça amène l'envie, ça amène les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien emporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la racine, dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés, quelques-uns en étant possédés de l'amour de l'argent qui vient par la doctrine de Malam, la doctrine de la prospérité. On nous dit verset 10 car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Se sont égarés. Ils se sont perdus. Loin de la foi. À cause de l'amour de l'argent. À cause de l'évangile de la prospérité. À cause de la doctrine de Balaam. Et qu'est-ce qui s'est passé Balaam a été tué par qui Des enfants d'Israël. C'est l'image du jugement. Jésus reviendra pour juger les nations. Jésus reviendra pour juger les hommes. Lorsque tu meurs, tu es jugé. Si tu n'as pas servi le Seigneur correctement, la Bible nous dit que le jugement est déjà sur toi. Tu iras en enfer. Pourquoi Parce que tu t'es attaché à une fausse doctrine. Frères et sœurs, pourquoi Pour l'argent On peut avoir de l'argent normalement, en travaillant normalement. On n'a pas besoin de s'attacher aux doctrines. Et on, va voir, on va citer certains éléments de cette doctrine. Au verset. Euh, verset et ces songes étaient eux-mêmes dans bien de tourments. Vous voyez Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité. La patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vous voyez, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et on nous dit que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. La Bible en parle. C'est une idolâtrie. À chaque fois qu'on parle de l'idolâtrie dans la Bible, c'est lié à l'amour de l'argent. Dans la Nouvelle Alliance, c'est lié à l'amour de l'argent. C'est dire l'amour de l'argent. Donc, on va voir comment se comportent les gens qui ont la doctrine, qui sont attachés à la doctrine de Balaam. On va prendre, on va lire 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre au chapitre 2. Et vous allez voir comment sont les gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Deux Pierre chapitre 2, on va lire à partir du, euh, à partir du verset 9. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier des gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portèrent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Ce sont des gens de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Fils des Bessors, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression, une âne, ânesse, muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence, c'est-à-dire la folie du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont esclaves, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous voyez, voilà, c'est ça les gens qui sont dans la doctrine de Balaam. Et vous allez voir que ces gens-là, ils sont eux-mêmes dans le péché. Ce sont des gens, si vous voyez un prédicateur qui prêche la vérité, qui prêche l'évangile de la prospérité, Priez, demandez au Seigneur de vous montrer sa vie. Ils sont très peu, très peu qui prêchent ça par ignorance. Beaucoup d'entre eux sont cupides. Vous allez vous rendre compte qu'ils couchent avec les soeurs dans l'assemblée. S'ils ne couchent pas avec les soeurs dans l'assemblée, ils couchent avec les femmes dehors. Beaucoup d'entre eux vont dire qu'ils ont la femme du ministère. C'est-à-dire qu'ils ont leur femme et ils ont la femme du ministère. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ont plusieurs relations dehors. Ils couchent avec les femmes dans l'assemblée. Les gens le savent, mais les gens ne parlent pas. Ce sont des gens qui détournent votre argent pour s'acheter des voitures à 20, 30, 40 millions. Ce sont des gens qui vivent le luxe avec votre argent. Ça là, c'est des gens qui vivent dans la doctrine de Balaam. Quand il y a des problèmes dans l'église, quand il y a des problèmes, on fait la cotisation, on ouvre la caisse. Mais quand il y a des frères qui ont des besoins dans l'église, on n'ouvre pas la caisse, on leur dit il faut aller prier, il faut gêner que le Seigneur t'accompagne. La doctrine de Balaam. Ce sont les signes, frères et sœurs, et vous devez être averti, vous devez comprendre pour interpeller d'abord, premièrement, ces gens. Et pour que vous-même, vous soyez interpellé, que vous compreniez. Comment ces gens font pour vous avoir ben Simplement, ils passent souvent par le message de la dîme. Ils vont vous dire, donnez et Dieu vous donnera au centuple. Alors, la chose est simple. Au centuple, ça veut dire quoi Tu donnes 100 francs. 100 francs multipliés par 100. Ça donne combien Ça donne simplement 10 000 c'est un calcul simple c'est un calcul simple et vous allez vous rendre compte que en réalité c'est une arnaque c'est une arnaque pourquoi parce que ce n'est pas que dieu n'est pas capable de donner le centuple à quelqu'un mais c'est une arnaque parce que ça ressemble aux affaires qu'on a connues de pas mal de sociétés ici qui ont escroqué on va pas citer les noms on a plein de nos parents plein de nos amis de connaissances des familles aujourd'hui qui vivent des difficultés et on voit des pancartes un peu partout où le chef de l'État a interpellé le gouvernement a interpellé parce qu'il y a des sociétés qui ont détourné des fonds des milliards à plusieurs familles qui aujourd'hui sont dans le malheur pourquoi parce qu'on leur a promis des gains qui n'étaient pas des gains réels et aujourd'hui vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui passent par l'évangile de la prospérité en réalité on leur fait faire des placements qui sont des placements qui ne seront jamais rémunérés parce qu'on leur dit donnez votre argent et Dieu vous donnera le centuple Venez s'aimer sur moi, je suis l'homme de Dieu. Si vous s'aimez sur moi, vous allez avoir et vous allez vous rendre compte que vous n vous ne, je ne connais personne qui a donné 100 francs et qui a reçu le centuple. Ce n'est pas possible. La preuve, faisons un calcul simple. Prenez votre salaire depuis que vous travaillez, que vous donnez l'argent. Est-ce que votre salaire a augmenté de 100% Non, pas de 100%, au centuple. Parce qu'au 100%, c'est 100%, 100 c'est je donne 100 francs. On me rémunère 100 francs, donc je gagne 200. Mais là on vous dit, Dieu vous donnera le centuple, ça veut dire qu'il me multiplie par 100. C'est ce qu'on vous dit. Donc je donne 100 francs, je gagne 10 000. Et là on n'est plus dans 100%. On est dans, alors ça représente quoi, ça, ça représente quoi, 10 000%. Vous voyez, ce n'est pas possible. C'est un faux placement, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Si vous êtes capable de me donner le témoignage d'une personne à qui Dieu a donné au centuple, que cette personne vienne, nous allons enregistrer le témoignage ici à Réveil TV pour l'édification de tous les chrétiens. Qu'il vienne avec les preuves. Si c'est son salaire, il nous montre comment il a commencé à travailler. Il avait 100 francs, aujourd'hui il est à 10 000. Il touchait un salaire de 100 000, aujourd'hui il est à 100 000 si on au centuple. 100 000, ça donne quoi 100 000, si on ajoute 10, ça fait 1 million. Si on ajoute encore 10, ça fait 10 millions. Comment il est passé de 100 000 à 10 millions Avec tout le niveau de galère, tout le niveau de précarité, de difficulté, on sait que la Bible nous dit que dans les, au milieu des chrétiens, il y a très peu de nobles, il y a plus de personnes faibles financièrement. Pourquoi ces gens-là ne vivent pas le centuple C'est de l'arnaque, simplement. C'est de l'arnaque. On vous escroque. On vous menace, c'est les gens qui sont, beaucoup d'entre eux, sont possédés par l'esprit de Balaam. Et ils se sont égarés loin de la vérité. Et nous sommes obligés de parler de ces choses. Pourquoi Parce que Dieu, Jésus-Christ, veut libérer son peuple. Et nous sommes obligés d'avertir les frères et sœurs. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs Il faut prier pour sortir. Pas sortir d'un lieu d'abord. Il faut sortir d'un lieu, certes. Mais il faut sortir d'un système. Or, ce système-là, c'est quoi C'est ce en quoi tu as cru. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as cru en ces choses, et que tu as gardé ces choses dans ton cœur, absolument ces choses vont porter du fruit. Vous voyez, la Bible, nous a, la Bible dit que la parole, c'est sperma en grec, qui est le mot qui est utilisé pour parler du sperme qui crée, la, qui est la semence qui permet justement à la rencontre entre le sperme, le spermatozoïde et l'ovule de créer l'enfant. Toute semence, lorsqu'elle est arrosée, finit par produire des fruits. Donc, à chaque fois que tu écoutes l'évangile de la prospérité, elle va finir, ça va finir par produire des fruits dans ta vie. Et les fruits, dont on l'a lu dans Apocalypse 12, 14, c'est l'idolâtrie, donc l'amour de l'argent et l'impudicité. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de, des gens qui sont dans ces églises-là sont des impudiques. Il y a des femmes qui vont aller coucher avec des hommes pour avoir des promotions pour venir témoigner en assemblée. Il y a des gens qui vivent dans le concubinage d'accord et qui viennent témoigner en assemblée que Dieu les bénit. Il y a des gens qui prennent les maris d'autrui et qui vont témoigner que Dieu les bénit qui se sont mariés alors que leur mariage est le fruit du divorce et il y a des enfants qui se retrouvent sans père qui sont abandonnés, qui, et qui sont élevés uniquement par leur mère, qui n'ont plus tout le confort, tous les soins, tout l'amour de leur père, et qui deviennent des délinquants parce qu'il y a quelqu'un dans une église qui a volé le mari de quelqu'un. Ça, c'est l'impudicité. Et la Bible nous dit que quelqu'un qui est marié avec un homme qui est marié, cette personne est adultère. Donc, vous avez des gens qui témoignent, qui sont des adultères. L'adultère et l'impudicité, ce sont des péchés similaires. Vous voyez, donc, il y a des problèmes, frères et sœurs. Il y a des problèmes dans nos églises. Il y a des problèmes dans les églises. Et ce sont des choses que vous voyez et vous ne parlez pas. Vous êtes aussi parfois coupables, frères et sœurs. Et c'est pourquoi le Seigneur veut vous interpeller aujourd'hui, pour qu'on comprenne. Alors, on va prendre un autre passage. On va prendre Jude, chapitre 1. Jude, chapitre 1. Il n'y a qu'un seul chapitre. Hein? Euh, Jude, chapitre 1. On va lire euh, alors on va lire depuis le premier verset pour que vous compreniez pourquoi Jude écrit cette épître cette lettre Jude serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques à ceux qui ont été appelés qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ que la miséricorde la paix la charité vous soient multipliées Bien-aimés comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé, glissé, notez bien, frères et sœurs, le mot glissé, parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce. La grâce, c'est quoi Lisez Romains 10, euh, Romain 10 :4. Christ est la fin de la loi et la justification pour le salut de quiconque croit. Vous voyez donc, quand on change la loi, la, la grâce pour ramener encore les chrétiens dans la loi, c'est on change la grâce de Dieu et on la transforme, on la dissout. Des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui régnent notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour et enchaîner éternellement parmi les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, leur rêverie pardon, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, comme le dit Pierre quand on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 2, et injurient des gloires. Or, l'archange Michael, Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, ne pas porté contre lui un jugement injurié, Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ça, c'est une autre doctrine qu'on parlera de ça. Ils se sont jetés pour un salaire, pour un salaire, dans l'égarement de Balaam. L'égarement. Donc, derrière, en fait, les gens qui ont aussi la doctrine de Balaam, il y a l'égarement, comme on l'a dit abandonner la foi, c'est ça l'égarement ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée, tous ces points là, par la grâce du Seigneur on aura l'occasion de voir oui. ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair se rapaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés des vagues furieuses de la mer rejetant le cume de leur impurité. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour, rendre, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pêcheurs impies. Voilà les gens qui prêchent l'évangile de la prospérité, de la doctrine de Balaam. Voilà leur caractéristique. Une autre caractéristique qu'ils ont, on va le voir. On va le voir. On va lire deux passages. On va lire. Euh, Romains chapitre 16, à partir du verset 17. Romains chapitre 16, à partir du verset 17, je lis Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. Ils servent quoi Ils ne servent pas Christ, mais ils servent leur propre ventre. Leur propre ventre. On va lire un autre passage. On va lire Philippiens, chapitre 3. À partir du verset 17. Ok Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, le modèle de Paul, des apôtres de la Bible. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, de Christ, et je vous en, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte Ils ne pensent qu'aux choses de la terre Ils ne pensent qu'aux choses de la terre Ça vous fait penser à quoi, les choses de la terre Donne l'argent, tu seras béni Donne l'argent, tu auras une promotion Donne l'argent, tu auras une voiture Donne l'offrande le, 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 le d'Isaac L'offrande du bélier, tu auras ceci Donne dix mille, tu auras ça Donnez ceci à l'homme de Dieu, tu auras cela il ne pense qu'aux choses de la terre. L'évangile de la prospérité nous renvoie qu'aux choses de la terre. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 Disons Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Oh, qu'est-ce que la parole de Dieu est bien. Alors, Matthieu chapitre 6... Alors, on va d'abord lire... Alors, on va lire... Je recherche le passage. On va lire le verset 20, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement Considérez comment croient les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au faux ne vous, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous » De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, toutes ces choses, ces choses, ces choses, ces choses, Jésus appelle ça ces choses. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui recherchent ça. Rechercher les choses de la terre là, c'est les païens qui recherchent ça. Jésus ne dit pas qu'on ne doit pas avoir une maison. Il ne dit pas qu'on ne doit pas avoir un travail. Il parle de chercher ces choses être attaché, être à la recherche continue, donner l'argent pour les avoir, payer les bénédictions, être dans la corruption pour avoir ces choses. Ce sont les païens qui le font. Et quand tu donnes de l'argent pour bénéficier de la bénédiction de Dieu au centuple, tu es en train de rechercher les choses de la terre. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. On ne dit pas chercher à donner l'argent, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne de vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Pourquoi s'attacher à ces choses Pourquoi s'attacher à ces choses, frères et sœurs Pourquoi Pourquoi s'attacher à ces choses Vous voyez L'évangile de la prospérité détruit les hommes, détruit des gens. Vous devez sortir de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire Premièrement, vous-même, vous devez vous repentir. Pourquoi Parce que vous avez pratiqué ces choses. Je pense que nous avons déjà donné plusieurs enseignements ici sur la dîme. Il y a des enseignements aussi des autres frères qui passent sur la dîme, des enseignements sur la grâce. Nous enseignons ces choses-là. Vous lisez ces choses dans la Bible. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux, en, les lieux célestes en Jésus-Christ. Lisez le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens est riche sur la grâce de Dieu, sur la bonté de Dieu, sur les bénédictions que Dieu nous a déjà accordées. Nous n'avons pas besoin de donner de l'argent pour que Dieu nous bénisse. Nous donnons de l'argent à Dieu pour l'œuvre de Dieu parce que nous sommes reconnaissants et parce que nous voulons contribuer pour l'avancement de son royaume. Simplement, pas pour avoir au centuple. Maintenant... Vous donnez aussi parce qu'on vous dit que si vous ne donnez pas, vous serez maudit. C'est ça. Donc vous donnez par contrainte et on vous fait donner en utilisant des moyens astucieux pour vous amener à devenir esclaves de ces choses. Et les gens qui vous font faire ça, eux-mêmes sont esclaves de ces choses, Ils sont esclaves de la doctrine de Balaam et de la fin de leur vie s'ils ne se repentent pas. Parce qu'il y a toujours l'opportunité pour eux, comme pour vous qui êtes dans ces choses-là, de se repentir. C'est pourquoi aujourd'hui je termine cet enseignement par interpeller à la repentance parce que c'est la fin. Quand on donne un enseignement à la fin, c'est pour que les gens comprennent que Jésus nous tend la main pour la repentance. Vous faites ces choses-là, vous donnez l'argent au Seigneur parce que vous attendez au centuple, vous donnez de l'argent au Seigneur parce que vous attendez que Dieu vous bénisse, repentez-vous. C'est la doctrine de Balaam. Dieu ne vous bénit pas financièrement parce que vous lui donnez de l'argent. Il vous bénit parce qu'il vous aime. D'abord, et la Bible nous dit qu'il nous a aimés avant que nous l'aimions. Il nous a aimés le premier. Maintenant, par amour pour le Seigneur, nous nous donnons tout entier au Seigneur et tout ce qui nous appartient appartient au Seigneur. Mais nous ne lui donnons pas parce que nous attendons en retour quelque chose. Nous lui donnons par amour. Nous lui donnons de notre temps par amour. Nous lui donnons de notre vie par amour. Quand nous prenons de notre temps, une heure, deux heures pour prier, est-ce que Dieu nous rend ça au centuple? Il ne nous rend pas du temps au centuple, on ne se retrouve pas avec une journée de plus de 24 heures. Nous sommes soumis aux mêmes 24 heures comme tout le monde. La grâce de Dieu, elle est là. Elle est là. Paul, avec son ministère, Paul était un homme qui vivait dans la disette. Donc, si quelqu'un devait avoir les bénédictions, les grâces de Dieu financières, je pense que Paul était bien placé. Quelqu'un comme Pierre, la Bible nous dit qu'il était dans la maison de quelqu'un comme Cornel, on nous dit qu'il va avoir faim. Vous voyez à la maison de, de, de Simon le Corailleur, on nous dit qu'il va avoir faim. Donc c'est quelqu'un, pendant qu'il jeûnait, il va avoir faim. C'est des gens qui vivaient, ils vivaient du gîte et du couvert qu'on leur accordait dans les maisons où ils partaient. Donc frères et sœurs, cet évangile de la prospérité est démoniaque, c'est démoniaque, et l'origine de ces choses, ça a commencé dans les années 70, et ça vient des États-Unis. Et il faut que les chrétiens arrêtent de penser que tout ce qui vient des États-Unis vient du ciel. Dieu ne commence pas à parler aux États-Unis. Hein. L'Esprit de Dieu parle à tous ses enfants. Et l'évangile de la prospérité est purement et simplement démoniaque. Et nous devons en sortir. Vous devez en sortir. Vous devez vous repentir et arrêter de le faire. Donnez votre argent par amour pour le Seigneur. S'aimer aussi pour l'œuvre de Dieu autour de vous. S'aimer dans vos assemblées aussi. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui travaillent sincèrement pour l'avancement du royaume. Nous ne pouvons pas nier cela. Mais aujourd'hui, quatre... enfin, on ne connaît pas le taux. Je ne peux pas donner un taux, mais beaucoup d'églises aujourd'hui ne prêchent que l'évangile de la prospérité. Ce sont des hommes qui font le ministère rien que pour avoir l'argent. Frères et sœurs, voilà ce partage que le Seigneur nous a donné pour vous interpeller, pour vous encourager. Donc, euh, à mardi prochain, je ne sais pas pour quelle doctrine, on va, quelle doctrine on va partager, mais on va faire une série d'enseignements sur les doctrines. L'annonce sera faite, on vous, on vous donnera, on mettra dans l'annonce la doctrine que le Seigneur mettra à cœur qu'on qu enseigne, pour qu'on dénonce un peu, qu'on vous enseigne, qu'on vous donne un peu les éléments qui vous permettent de comprendre ce que la Bible dit sur cette doctrine. Voilà. Donc, euh, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et euh, à vendredi, avec notre frère Tanguy, si le Seigneur le veut, shalom. Ah.